Alors moi en fait je travaille pour la Ligue contre le cancer, je suis dans le service communication du siège à Paris et je m'occupe de tout ce qui est événementiel. Et je m'occupe notamment de développer en fait cette manifestation un petit peu partout en France. C'est la raison pour laquelle on peut me trouver sur un petit peu partout en France en ce moment, parce que toutes les semaines il y a des relais pour la vie et donc je viens, j'essaie d'apporter ma bonne humeur et puis essayer d'animer ces manifestations. Ça fait un petit moment maintenant que je travaille pour la Ligue, j'ai toujours travaillé dans le milieu associatif. Je trouve que travailler pour une bonne cause, c'est super motivant. Et voilà, tout simplement, ça fait maintenant 14 ans que je travaille pour la Ligue contre le cancer. Et je m'éclate parce qu'on fait des choses qui sont utiles et qui sont en plus positives. Donc voilà. Donc on est venu avec l'Entente Athlétique de Chambéry, qui est le club d'athlétisme donc, de Chambéry, qui regroupe toute catégorie d'âge, des jeunes commençant de 6-7 ans jusqu'à l'âge adulte. C'est un club qui comporte 630 licenciés. Ouais. Et donc là, sur une épreuve, un format comme aujourd'hui pour la lutte contre le cancer du sein, on s'est mobilisé à une vingtaine de participants, d'adultes, pour une belle cause et pour être ensemble et au milieu d'autres personnes et passer un agréable moment sur 24 heures. Je fais partie du comité de pilotage donc pour l'organisation du relais. Moi, j'étais plus particulièrement en charge de la gestion des équipes. Essayer de ramener un maximum d'équipes, de les encourager et de faire en sorte que tout se passe bien. Là on voit toutes les équipes qui sont derrière, ça continue, c'est super. Et donc moi j'ai essayé de faire ça au maximum. Savoie, c'est la structure qui est chargée du dépistage organisé des cancers du sein et du cancer colorectal. Donc c'est très très important de 50 à 74 ans de participer quand on reçoit son invitation, d'aller faire sa mammographie et d'aller faire son test de recherche du sang dans les selles. Plus c'est pris tôt, plus les chances de guérison sont importantes. C'est plus de 90% de chances de guérison pour un tout petit cancer. On fait le lien vraiment direct entre l'environnement, mais à tout niveau, que ce soit sur la boisson, que ce soit sur la nourriture, que ce soit sur les traitements pesticides, la qualité de l'air. Voilà. Donc on essaie de faire la promotion des énergies renouvelables, du covoiturage, du réseau de bus. Donc c'est comment améliorer notre environnement pour nous et pour la nature, et là pour le coup pour réduire les risques de cancer et les cancers multifactoriels. Alors les survivants. On est des survivants, si vous voulez. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a été malade. On dit toujours, la maladie, le cancer, c'est comme les accidents. On pense que ça arrive qu'aux autres. Et puis un beau jour, pof! Pour la vie, en fait, c'est une manifestation qui marche beaucoup mieux dans les petites communes. Pour le coup, tu vois, les grandes villes, un petit peu type Paris, Strasbourg, ce genre de choses-là, ça fonctionne pas. Je pense tout simplement parce que déjà, bon, dans les grandes villes, les gens sont gâtés, il y a énormément d'animation. Mais en plus de ça, enfin, dans les petites communes, comme ça, tu as plus de solidarité. Tu arrives à mobiliser les gens beaucoup plus facilement sur des événements. Alors, notre recherche sur le cancer est soutenue par la Ligue et nous voulions rendre en fait hommage aux gens qui récoltent les fonds et c'est pour ça qu'on est ici. Eh bien, merci. D'abord, on vous remercie pour le travail que vous faites parce que c'est un travail qui est important. On vous remercie aussi parce qu'effectivement, les membres de la Ligue font un travail en amont qui vous permet, vous, de pouvoir continuer à poursuivre cette recherche. Et c'est important, il faut se rappeler que la recherche, c'est pas fini. On a toujours des choses. Alors, j'ai entendu en parler un petit peu, c'est particulier, puisque c'est en plus sur les enfants. Ouais. Donc, quelque chose qui nous touche tous. Et vraiment, on vous remercie du travail que vous faites. Et on remercie la Ligue de vous accompagner dans ce travail-là. Et ce qui veut dire que pour que la Ligue les accompagne, eh bien, c'est aussi les dons que les gens font, c'est aussi la participation que vous avez, c'est aussi le repas que vous allez manger à midi, plutôt que d'aller le manger ailleurs, vous allez le prendre ici. Voilà, et toutes ces choses mises bout à bout, tous ces petits euros que l'on va collecter petit à petit vont permettre de soutenir des actions et de soutenir aussi la recherche. Et bien, merci beaucoup d'être venu. En tout cas, on est très content de vous avoir. Merci. Sachez qu'à partir de maintenant, tous les ans, vous serez avec nous, vous n'aurez plus le choix. Alors, un coup ici, un coup ailleurs, on vous trouvera toujours un relais à faire. T'inquiète pas. On va le trouver. Vous êtes cuit. On va le trouver. Non, merci.